Salut à tous, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter la petite pédale Blue Box de la marque Blue Guitar qui est une simulation de cabinet d'amplificateur. Donc le cabinet, pour ceux qui ne savent pas, c'est la partie enceinte de l'ampli. Hein? Et donc cette petite pédale va simuler les différents amplificateurs, alors la taille du haut-parleur, le nombre de haut-parleurs et plusieurs petites choses comme ça, le placement du micro. Donc c'est une pédale très très simple puisqu'il n'y a que deux sélecteurs ici, alors un pour sélectionner les types de haut-parleurs et le deuxième pour simuler l'emplacement du micro, alors plus centré par rapport au haut-parleur ou plus décalé par rapport au haut-parleur. On a ici un petit switch qui permet une atténuation sur trois positions. Et puis vous avez les entrées et les sorties plutôt classiques au format jack ou XLR. Elle s'alimente à 9 volts, ce qui est pratique lorsque vous la posez sur le pedalboard. Donc vous pouvez l'alimenter avec votre alimentation habituelle. Je vous montre un petit peu le chaînage sur mon pedalboard. Et puis le pedalboard rentre direct dans la carte son. Donc la guitare rentre dans le multi-effet Line 6 HX Effect, puis ensuite passe directement dans le looper Boss RC3, bon, qui n'est pas là pour altérer le son normalement. Tout ça passe ensuite dans le préampli Le Clean de la marque Two Note, qui est vraiment la partie préamplification de mon système, puisque je n'ai pas d'ampli physique. Ensuite ça passe direct dans la Blue Guitar Blue Box, la simulation de cabinet, et pour terminer je sors directement dans la carte son, voire en live dans une enceinte de sonorisation Electro Voice. Voilà, la pédale Octaver Boss est dans la boucle d'effet du HX Effect et donc n'est pas toujours présente dans mon son, ça dépend des presets. Je vous ai fait quelques petits exemples de morceaux, des extraits de morceaux audio, un son clair et un son plus saturé, avec à chaque fois trois presets différents, presets totalement arbitraires, hein, pour vous faire écouter la différence de couleur, et vous allez voir que ça change drôlement les choses. Donc s'il était besoin de le préciser, je vous conseille vivement d'écouter les différents extraits qui vont suivre au casque pour profiter au maximum des différences sonores. Thank you.
Alors pour en revenir aux impressions, à mes impressions sur cette pédale, je trouve que c'est une pédale extrêmement fonctionnelle, qui a un gros atout, c'est sa simplicité. J'ai été très loin de m'imaginer l'influence des cabinets sur le son. Alors je savais très bien que ça influait, mais pas à ce point-là. C'est vrai que d'un haut-parleur à l'autre, qu'on soit même sur des haut-parleurs de même taille et de même configuration, un haut-parleur 1.12 d'une marque à l'autre va vraiment changer la qualité finale du son. Et c'est super de savoir qu'on peut sculpter un petit peu le son grâce à ça. Et l'emplacement du micro aussi par rapport au haut-parleur. Alors évidemment, je le savais déjà. Mais pouvoir faire le comparatif en direct avec la pédale, c'est extrêmement confortable. Donc cette pédale est super. Donc il me tarde de pouvoir la comparer avec d'autres pédales qui ont la même fonction d'autres marques. Je vous donnerai mon avis si c'est possible avec des références dans la simulation comme ça de haut-parleur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. À bientôt et merci à la chaîne Guitare de m'avoir permis de tester cette petite pédale pour une petite semaine dans des conditions parfaites puisque tranquillement installée chez moi. À bientôt!